scritta da me, proprio via. Bella giornata, eh? Poi, come... T'as douté de mon intégrité? Mais j'ai, là, il faut un téléphone, là. Il a le test. Non, je sais, mais Mario, pas de faire ça, je m'en fous. Je sais. Il te dit, j'ai mangé du piquant, j'ai mangé de sucre, j'ai mangé... Mario, mancats. Crédami, mancats. J'ai dit, le samedi, c'est fait pour relaxer pour moi. Je fais mes affaires, je bois, je fais ma vie, je dérange personne. Le dimanche, je fais une autre journée. J'ai acheté un alcotest parce qu'une journée, il a douté que j'étais sous, mais pas pantoute, là, il s'est fourré le carrément. Là. Là, il y a un client, espèce de snob qui a ça, je déteste. Un crise de gros snob, là, de genre style Outremont. Il m'a dit, t'es sous, je dis, écoute, pas super en tout. Si tu travailles 6 jours sur 7, tu vas être fatigué à quelque part. Tu commences pas. En plus, j'avais un rhume. J'ai même pas fini mon rhume. Je lui ai dit, là, Chris, là, je lui ai dit, écoute, il y avait des clients en place, il fallait que je sois diplomate. Je lui ai dit, écoute, si tu sais pas juger, juge pas. À la limite, même dis rien, ça va paraître mieux. Là, les autres clients me regardaient, il y en a un qui a tapé dans ses mains, tu t'as bien fait de lui dire ça. J'ai dit, écoute, moi, je suis pas là pour faire du mal à personne. Hein? Quand tu travailles avec le public, tu sers le public, tu sais. Un minimum de dignité, tu sais, je sais pas. Tu sais, le monde, ils sont fendants, je suis pas capable. Hé, hey, on dirait qu'ils vivent sur une autre planète, ici, à 120 degrés de nous autres. Tu te regardes avec le coin d'œil. Même à la limite, tu te regardes même pas. Ils savent pas c'est quoi vivre. C'est du monde qui sont renfermés sur eux-mêmes, là. Puis ils lisent le Châtelaine, là. Puis ils finissent PD à la fin de l'autre. On est vu du monde de même. C'est soit ouvert, soit un petit peu enthousiaste. Mais quand tu travailles au public, là, faut pas que tu sois mes mères bâtons, là. Ben non, oui. Soit quelqu'un qui est... sache comment prendre le monde, tu sais, dans le bon mood. Mais Joseph, il est pas capable avec ça. Il est pas capable. Mais pourtant, ça fait 20 ans qu'il travaille avec le public. Il y a du monde qui dit, il est trop drette. Ça n'a pas d'allure. Ça frise le ridicule. Il est trop insécure. Je sais pas que... Depuis que son frère est parti, là, tout c'est sur mes épaules. Il y a un morceau qui manque, là, puis il faut qu'il me tape sur la tête tous les jours de la semaine. Même quand je suis pas là. Quand il m'appelle, fais ci, fais ça. T'as la mec, tranquille. Je suis pas un robot, là. J'ai dit, si tu veux que je sois un robot, greffe-moi un pacemaker puis une microbus, fais quelque chose. Chris, déjà, je m'occupe à 90% du magasin, puis le gars qui travaille la moitié du samedi puis un petit peu du dimanche, Chris, faut que je reprenne ses affaires, ça fait un an. Pas capable de travailler comme il faut. Un an, là. Il me semble qu'après un an, là, les erreurs de débutant, ça n'existe plus. Ben, le débutant en vie, alors. Chris, tu peux pas te casser un bras, tu peux pas être malade ici. Travailler malade pendant des semaines ici, là-bas. Ben,
Mais tu sais, t'es là tous les jours, j'en ai assez ses épaules. Quand on apprécie, là, on a comme un médicament des guérisseurs et de faire travailler plus. Mais oui. Quand on critique tout le temps, t'as le coup de travailler moins. Non, mais tu sais, moi, je suis un gars qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse. Non, non. À un moment donné, il faut que ça sorte, tabarnak. Non, non, il faut pas engager. Sinon, m'a me défouler, c'est la mauvaise personne qui n'aura pas eu une bonne journée. Non, ça va être la gueule. Il faut mettre les points sur les i à premier coup. Parce qu'après, une fois que tu donnes l'impression qu'il va dans le bon chemin, c'est pour voir. Hey, tu sais, en plus qu'on a le comptoir sérieux, des petites madames qui arrivent avec 25 articles pour les retourner, là, qui sont là. T'sais, moi, ça prend du temps à faire ça, c'est beaucoup de paperasse. Ils sont là, je suis pressé, monsieur. Elle a 25 articles, puis elle pense qu'elle va sortir dans une minute. Mais tabarnak, qu'est-ce que c'est? Comme, attends ton tour, là. Je dis, écoute, je suis pas Superman, là. À la limite, là, grave-moi un petit S sur la poitrine, m'a envolé, moi aussi. Elle arrive, là, elle est au comptoir. Je fais le siroto, j'ai pas le choix de faire attention au numéro, au calcul, tout ça. Ah ben monsieur, c'est pas plus vite que ça d'habitude. J'écoute là. L'âge de pierre, c'est fini là. Allume là. Si t'es si pressé que ça, là, ramène 2-3 morceaux à la fois puis retournez. Mais encore lisse. Si ça vient en plein dans l'heure du rush quand il y a à peu près 20 personnes dans le magasin. Tout tu watch là. Je pas avoir les yeux partout là. Hey, ils viennent à 3h quand les étudiants sortent de l'école. T'as à peu près 20 jeunes dans le magasin, puis la petite madame avec une trentaine d'articles. Monsieur, pouvez-vous me retourner maintenant avec l'air hautain? T'as juste le de dire, hey, ma crise de folle, lâche ton esti de vin de Girondin pour coller à 2,5 piastres, puis attends ton tour. Ta tasse de thé à 8h, là, tu pourrais la retarder d'au moins 2 minutes, s'il te plaît? En tout cas, c'est le même grand-père, je comprends rien. Hein, grand-père? Alors, tu vas lui mettre des chaussettes à côté de toi. Quelqu'un qui est comme ça, là. Madame, mets des chaussettes pour toi. Non, tu donnes un bingo, puis tu vas-t'en dans l'allée des attardés. Ah, c'est ça. Ou tu y achètes un canut, tu flattes-les pendant que je suis en train de faire tes affaires. Elle me dit, avez-vous des bonnes limons sur ta tête que tu devais écrasser? C'est une misère. Hey, la semaine, les inventaires, ça fait